Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui. Alors je me trouve dans les Ardennes belges, bien entendu, hein, toujours en Belgique, regardez comme c'est beau derrière moi. Et petite astuce énergétique, bon, j'espère vraiment que vous m'entendrez bien parce que vous le voyez, il y a vraiment du vent. J'en profite pour vous montrer, là, voilà, ça. Chez nous, c'est la saison des grands feux, donc voilà, on construit avec les restes des sapins de Noël, de jolies petites choses comme ceci, auxquelles on va mettre le feu pour brûler l'hiver, on appelle ça. Alors, petite astuce énergétique, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a du vent, il y a du soleil. Alors, profitez-en, sortez, régénérez-vous, prenez de la vitamine D avec le soleil, mais surtout prenez de la bonne énergie et vraiment un peu de la force et de la vitalité. Et puis, surtout, l'intérêt, c'est qu'une journée comme aujourd'hui, quand il y a beaucoup de vent, vous avez droit à un léger nettoyage énergétique. Alors, moi, je le ferai toujours comme ça, hein, j'adore faire ce genre de choses et me laisser nettoyer des petites larves qui viennent polluer nos corps, vous le savez, partout où on va, on se retrouve avec des larves, vous allez au magasin, sous une petite crasse qui s'accroche à vous, mais qui sont pas bien accrochées, et là, il suffit de rester comme ça, profiter, devant, derrière, voilà, on se nettoie un petit peu le dos, parce que le dos et la nuque, ce sont souvent les accroches, n'oubliez pas, la plante des pieds également, ça c'est quand vous faites des purifications, et puis profitez de ce beau soleil, surtout, on se dit à bientôt!